Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui, on va parler et découvrir un petit jeu de plateau. Il s'agit en effet du jeu Monkey Palace, commercialisé et édité par Asmodée en partenariat avec Lego, un petit jeu de plateau, et bien dans lequel il faut faire des constructions en briques danoises pour être les plus hautes possibles et récupérer des bananes. Bon, du coup, je vous ai mis un t-shirt de circonstance. Dans cette vidéo, vous allez découvrir avec mes potes et moi, la présentation du contenu de la boîte, une présentation des règles du jeu, une partie réalisée réellement sans trucage, et en 4, notre avis sur ce jeu de plateau sans concession. Parce que oui, cette vidéo est sponsorisée par Asmodée, qui m'a envoyé le jeu. Et vous le savez, c'est pas parce qu'on m'envoie un truc gratos que pour autant je vais pas donner mon avis. Ce qui m'invite à vous dire que vous devriez peut-être aller rapidement à la conclusion. Parce que oui, je vous mets les time codes en dessous. Voilà, vous pouvez du coup directement naviguer dans les parties qui vous intéressent. Et peut-être que l'avis final sera peut-être le plus simple. Mais pour ceux qui veulent s'enjailler à profiter de la partie comme l'ont fait les spectateurs sur Twitch, eh bien vous pouvez prendre le temps et regarder toute la vidéo. Ça me fera d'ailleurs très plaisir. Bref, sans plus attendre, je vous propose qu'on passe dans le salon avec mes potes et moi, qu'on se fasse une petite partie de ce Monkey Palace, et après, eh bien, c'est vous qui vous ferez votre propre avis. N'hésitez pas, encore une fois, à le laisser dans les commentaires. C'est parti, téléportation, on commence la partie tout de suite. Let's go! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube tournée en live sur Twitch. Aujourd'hui, on va vous présenter le jeu Monkey Palace, dernier né de la firme d'édition Asmodée en partenariat avec Lego. Est-ce que ce jeu est super génial ou est-ce qu'il est tout pourri? Bah écoutez, on va le découvrir ensemble dans cette vidéo. Bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Pat Bobo. Ça va être bonjour. Pat Bobo qui sera aujourd'hui notre maître de cérémonie, va nous expliquer les règles et nous présenter ce jeu. Voilà, donc on va sans plus attendre essayer de découvrir ce jeu de plateau. Adressé aux plus de 10 ans. Tofi, tu as plus de 10 ans. J'ai plus de 10 ans. Techniquement, oui. Techniquement, oui. Qui vaut une trentaine d'euros, pas de bobo, tu viens de vérifier. C'est ça, ouais, 36. 36 euros qui seront peut-être bien investis ou pas, on va le découvrir maintenant. Écoute, pas de bobo, on voit bien déjà que tu nous présentes un petit peu la boîte dans une belle vue de dessus. Ouais. Voilà, tu peux. Du coup, on a la boîte, voilà, avec le nombre de joueurs. On peut voir, c'est 10 ans et plus, 2 à 4 joueurs, temps 45 minutes. Bon, elle est plutôt de bonne qualité, on va dire. On manquait l'habitude des jeux de société. Ouais. Si j'arrive à l'ouvrir, c'est la bonne idée. Les remarques que je ferai déjà sur la boîte, eh ben on peut le voir. Hein, c'est un manque de rangement, en fait. Clairement, il n'y a pas de rangement, donc on met, tout est un peu à la fabrique. Et je tiens à préciser que ça, c'est moi qui l'ai fourni, par exemple. Parce que, du coup... Il n'y avait même pas de sachet pour mettre tout le bazar, donc... Ouais, déjà premier point négatif, justement pour 40 euros. C'est un peu dommage parce que pour ceux qui ne te connaissent pas, tu as une ludothèque assez fournie, tu joues beaucoup. Je joue beaucoup. Tu joues beaucoup. Je joue beaucoup, j'achète beaucoup, et c'est vrai que je trouve que, contrairement à. En fait, le matériel, cartes, etc., est plutôt qualitatif. Par contre, effectivement, il y a des manques, en fait. Il y a des manques, ne serait-ce que pas avoir un peu de rangement, un peu de. Ça, c'est toi qui l'as rajouté, ça? Ça y était, en fait. Le seul rangement, effectivement, c'est celui-là qui permet de stocker les trucs. Mais effectivement, là, une fois que t'as ça, après, tout le reste va en vrac ici. Que ce soit les cartes, le plateau. Donc, moi, j'avais des petits sachets, hein, étant joueur justement de jeu. Donc, j'ai des petits sachets. Je vous conseille toujours d'avoir vos petits sachets zip pour mettre. Mais voilà, mais c'est vrai que sinon, il n'y a pas. Donc, ça, déjà. Côté rangement, du coup, côté rangement, peut mieux faire, quoi. Peut mieux faire. Bon. Voilà. Après, le jeu, il y a deux plateaux en carton. Ça va, après, y a rien. Sinon, même les règles, hein, on sent que le papier est de qualité, etc. Mais c'est vrai qu'on sent que ça manque un peu de... On va tester ça. C'est un peu léger. On va tester ça. Du coup, on te laisse nous... Alors, Monkey Palace, c'est simple. Le but du jeu, ça va être de monter ces petits escaliers afin d'acquérir le plus de points de victoire ou de bananes, comme on dit. Donc, les bananes, on les retrouve notamment sur les cartes qu'on va accumuler en haut. Alors, je sais pas si on peut voir une carte... Hop, si je fais ça, on a une carte avec la banane. D'accord. En haut. Okay. Donc sur toutes les cartes, même si tu prends celle à 6, là, si quelqu'un peut la prendre, hop, on a également des bananes, hop, à récupérer qui vont vous permettre d'accumuler des points de victoire. Comment on va faire? Eh ben, à son tour, on a toujours un ordre. On commence toujours par construire un escalier. Donc on va voir la phase de construction. Peut-être commencer par ça. On va donner aussi... Ah, j'ai distribué. Ouais, tiens, premier joueur, tu vas commencer. Ah, merci. Et moi, je vais prendre trois. Premier joueur, ouais. Magnifique. Numéro 1.
Vous pouvez commencer à retourner déjà pour prendre vos ressources de base. Voilà. Donc moi, par exemple, j'ai deux petites arches et deux petits... je sais même pas comment vous appelez ça. Des petites briques dehors. Des petits ponts. Ah, des briques. Hein. Voilà. Des briques, hein, c'est okay. Ça. Donc j'ai deux, moi j'ai droit à... Non, non, tu le retournes. Je retourne. Ok, okay. Je retourne, je retourne. Voilà. Oui, c'est ça, moi j'ai deux, j'ai droit à... T'as deux arches seulement. Ah, j'ai deux arches. Putain, deux arches. Oh, voilà. Je prends deux arches. Donc ça, c'est ta monnaie de départ. C'est avec quoi tu vas commencer. Ok, brique gracieusement fournie par Bilund. Exactement. Très bien. Et ensuite, il fait ça. Alors, une fois qu'on a fait ça, donc la première étape, ça va être de construire son escalier. Donc, pour construire un escalier, donc un escalier doit toujours... Il y a quelques règles que je vais lire avec vous. Hop. Ça doit toujours avoir un point de départ qui est au niveau du sol. D'accord. D'accord. Donc, par exemple, je peux commencer ici. Ensuite, je vais pouvoir mettre... des tenons, des briques, pour monter. Le but va être de monter. Un escalier doit toujours être montant. D'accord, mais une question du coup, là tu peux mettre autant de briques que tu veux par tour, à ton tour ou... Et ben avec ce que t'as dans ta réserve. C'est ta réserve en fait qui va te limiter avec ce que tu vas pouvoir faire. Là j'ai pris de la boîte pour les exemples. D'accord. Tu peux mettre autant de briques. Tout à fait, faire par exemple cet exemple-là, monter, voilà. Je ne suis pas obligé de monter de 1 en 1, je peux monter de 2 étages d'un coup, il n'y a pas de problème. D'accord. C'est en fonction, encore une fois, de ce que j'ai comme ressources, ce que je vais faire. Mais du coup, si j'ai plein de briques dans mon inventaire tout de suite, je peux tout lâcher ou dans tu un tour? Tu peux tout lâcher. Dans un tour, oui. Aucun problème avec ça. Ah ouais, d'accord. Donc tu construis autant que tu veux, c'est vrai, le but, ça va être aussi de récupérer des briques pour pouvoir faire des tours de plus en plus hautes, etc., etc. D'accord. Je décide de faire comme ça, je peux très bien m'appuyer sur des briques existantes. Voilà, par exemple dans cet exemple-là, où tu vois, j'ai commencé à monter, hop, et puis je me suis raccordé à celle-là. D'accord. Pour monter. Le but va être, c'est ça, de consommer un maximum, d'optimiser ses ressources pour faire une arche de plus en plus haute. Ok. Ce que je ne peux pas, c'est avoir des arches, par exemple, si je prends mon exemple, je ne peux pas avoir une arche qui n'a pas de support, c'est-à-dire que là, je ne pourrais pas avoir une arche sans support, par exemple, qu'on voit ici. D'accord. Donc, voilà, en fait, on doit absolument toucher le sol. Si tu ne touches pas le sol, ça ne marche pas, quoi. Exactement. Ok, bon, jusque-là, c'est assez logique. Je ne peux pas me raccrocher au tenon du milieu, d'accord. C'est toujours les extrémités. Ah, donc on ne peut pas se mettre sur les tenons du milieu. D'accord, ok. Et on ne peut pas mettre arche sur arche, bien sûr, puisque à chaque fois, on doit monter. Voilà. Je ne peux pas monter comme ça ne marche pas. Arche sur arche, ça ne marche pas. Ok, très bien. Et le détour, ça, de toute façon, c'est plutôt logique. En fait, le chemin doit suivre une route unique, quoi. Tu peux partir dans d'autres directions. Ok, alright. Une fois qu'on a fait ça, il est le moment de décorer son escalier. Donc, tu dis phase 1, on construit. Phase 1, on construit. Donc, avec les règles que je viens de vous donner. D'accord. Et phase 2, décoration. Phase 2, décoration. Pour savoir de comment on décore, eh ben, il suffit de regarder par quel tenon on a commencé. Donc là, si je prends mon escalier, toujours mon exemple d'escalier, j'ai commencé par une zone verte. D'accord. Donc, tout simplement, je prends une décoration verte que je vais mettre à l'extrémité. Ça permet de décorer. Okay. D'accord. Et tu mets la décoration au bout. Tu mets la décoration tout au bout de ton escalier. D'accord, ok. Ensuite, ça va être le temps de compter les points. Donc les points, c'est facile, c'est chaque... extrémité d'escalier va rapporter un point, donc un point, deux points, trois points. Et si jamais, dans mon exemple, je reprends, je suis les couleurs la plus haute, d'accord. Si je suis la couleur la plus haute, à ce moment-là, j'ai un point bonus. D'accord. Donc là, dans mon exemple, j'ai 1, 2, 3, 4, vu que je suis le plus haut. Ça me permet d'avoir 4 d'argent. Enfin, 4 monnaies de singe, ils appellent ça. C'est la monnaie de singe. Et la monnaie de singe vous permet d'acheter des cartes. On peut acheter... une, deux ou trois cartes, autant de cartes qu'on veut. Donc les cartes, maintenant on va regarder vite fait les cartes. Vous avez deux types de cartes. Enfin, vous avez deux types de valeurs. Est-ce que tu veux zoomer un peu, peut-être? Non. Vous avez des cartes qui vont vous donner, avec un éclair, qui vont vous donner des ressources à ce tour. C'est-à-dire au moment où vous le prenez, ça vous donne la ressource. Et ensuite, vous pouvez avoir des cartes avec un petit rond. Et là, c'est des cartes de manière récurrente. C'est-à-dire que quand je prends ma carte, par exemple, je vais prendre celle-là qui vaut 1. Je vais la mettre dans les emplacements. Elle va me donner soit une brique, soit une arche. Est-ce qu'on voit là, ouais. Soit une brique, soit une arche. Et je vais prendre mon brique et ma arche. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment un usage unique. Ou alors, si je décide de prendre celle-là, bah celle-là, elle ne va pas me donner dans un premier temps. Par contre, à la fin de mon tour, je vais recevoir... ce qu'on appelle la livraison récurrente. Et bien, la livraison récurrente, il suffit de retourner les cartes,
Et là, je vais prendre ce que tu as là et ce que tu as là. Enfin, toutes les ressources que tu as sur ton plateau et sur tes cartes. D'accord. Donc, au fur et à mesure du jeu, tu vas accumuler des cartes. Je montre pour l'exemple. Et tu vas devoir peut-être en recouvrir. Donc à toi de recouvrir de manière optimisée pour récupérer le plus de ressources possible. Sachant que celle qui rapporte le plus, c'est la 6, qui n'a aucune livraison. Ni imminente, ni récurrente. Donc, la 6 rapporte 10 bananes. Là, rapporte 10 bananes, mais c'est tout, quoi. Voilà, c'est ça. Mais par contre, là, du coup, les cartes qui sont là... Alors, il y a les singes dessus, je n'ai pas trop compris. En haut à gauche, il y a les singes. Ça, c'est ta monnaie. Ah, c'est la fameuse monnaie de singe. Ah, donc tu payes en monnaie de singe. Alors, attendez, on va montrer. Tu payes... Tu gagnes de la monnaie de singe en fonction de ta construction. Ok. Et les bananes, c'est les points de victoire. Et les bananes, c'est les points de victoire. Sachant que tu dois prendre, bien évidemment, dans la couleur que tu as remportée. Là, par exemple, j'ai remporté du vert. Oui. Je voulais prendre dans le vert, ou dans le vert foncé, ou dans le doré. La couleur que tu as remportée au tour précédent, c'est ça? Au moment où tu as fait ta construction. Par exemple, là où tu pars. J'avais fait ma construction en vert, comme j'ai expliqué. Faut toujours quand tu fais ta construction en vert, d'accord? Est-ce que c'est trop compliqué déjà? Ouais, un peu, ouais. Non. J'ai commencé à faire un escalier. D'accord. Pas, toi. Si, c'est drôle. Tu as compris, toi? Bah oui, moi je comprends parce que je fais pas la régie en même temps. Voilà. Comme... Je dis pas le chat. Voilà, il y a un moment, t'as l'impression d'être. Il a fait un escalier, voilà. J'ai fait un escalier. T'as fait un escalier? Ok, est vert. Il est vert. Parce que le point de départ est vert. Tu vas où le point de départ? Vert clair, en fait. Ah, dans la zone de départ. C'est ça, voilà. C'est la zone de départ qui détermine la couleur du truc du. En fait, c'est ça qu'il avait pas compris. La décoration. Non, c'est bon, c'est arrêté. Pas mal le nombre de points. Je compte le nombre d'escaliers. All right. J'ai un point bonus si c'est le plus haut. Oui. Si mon vert clair, c'est le plus haut de tous les verts clairs, j'ai un point bonus. Ok. Et une fois que j'ai ça, ça me donne ma monnaie de singe qui me permet de déterminer ce que j'ai le droit de prendre. Si j'ai 4. Et du coup, la monnaie de singe, tu la matérialises comment? T'as des pièces, t'as des trucs? Ah non, t'as 3 de monnaie de singe, tu peux dépenser 3. C'est dans le tour, en fait, tu dépenses. Dans le tour, tu t'achètes pour ce que t'as gagné en monnaie de singe. Ok. On est bon ? Oui, on est bon. Une fois que tu as récupéré tes cartes, tu récupères soit des livraisons imminentes avec un éclair, soit des livraisons récurrentes avec un rond. D'accord. Ok ? Ah ouais, non, c'est bon. Je pense qu'on va se lancer. Tu peux avoir bonus. Ah. Une carte. Tu as 2 cartes bonus. Ok. T'as les bananes. Si jamais tu fais une construction de 5 de haut, okay, ou plus, oui, tu peux avoir des bananes supplémentaires. Ouais. Ok. Banane. Donc ça c'est sur le côté, voilà, c'est des bananes. Ok. Et si jamais tu fais une décoration dorée, donc tu pars d'un truc, voilà, tu peux récupérer le singe. D'accord, ça vaut 2 le singe, tu le mets devant toi. Et surtout, ça permet de bloquer tes adversaires. C'est-à-dire que tu peux mettre le singe sur un escalier pour pas qu'on puisse s'y attacher. Petit singe. Voilà. Petit singe. Et donc, on va jouer à ça. Enfin, jouer. On va faire ça. Attends, c'est jouer. C'était quoi ce... On va jouer à ça. On va jouer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de ressources dans les boîtes. Donc une fois qu'on... Dès quelqu'un peut plus s'alimenter, la partie s'arrête. Voilà, faisons une partie. Et tes premiers joueurs. Tu laisses. Oui, ça c'est le truc de départ. Donc, ça va être rigolo. Ok. La chose que... Ok. Donc premier tour, moi j'ai deux briquettes. Donc j'ai mes deux briquettes de départ. Ok. Et je fais quoi là? Je les pose direct. Tu construis ton escalier. Si un escalier. Sinon tu fais rien. Construis mon EO1. Poupougne. Hein. Alright. J'ai pas envie de donner trop vite de l'accès à du orange à Yanis. Alors est-ce que je vais partir parce que je crois que j'ai pas trop le choix. Je pars comme ça. Et est-ce que je peux faire comme ça? Oui. C'est l'idée. Là. Donc là, tu as fait un vert. Oui. D'accord, t'es parti du vert. Donc décoration, petite décoration verte. Combien ça te fait de monnaie? Deux. Un. Je dirais qu'un, j'ai marché qu'une marche, non? Deux marches. Ben, un. Oui, deux points. Deux. D'accord, deux points. Le vert. Je suis tout seul. T'es le plus haut. Je suis plus haut. T'es le plus haut. Donc trois. Donc trois. Donc j'ai tu peux monter jusqu'à trois monnaies de singe. Enfin, tu as trois monnaies de singe. Alors tu peux acheter... Deux cartes, une carte de 2, une carte de 1, 3 cartes de 1. Tu achètes autant de cartes. Ouais, mais ça, récurrent, c'est bien parce que avec le petit cercle récurrent. Oui, mais c'est vert foncé, ça. Ah. Ok, très bien. Donc, je vais plutôt faire du one shot. Mais tu peux prendre celle-là, du coup. Ah. Bah oui, c'est vert clair. Ah, ça, c'est vert clair. Très bien. Et c'est 3 monnaies de singe aussi. Et donc, ça veut dire que. J'ai les écrits. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, celle-ci, elle dit. Non.
Il y en a d'autres Du coup, soit en cyclique, c'est un pont, soit en immédiat, c'est une brique et un pont. C'est valable pour les deux c'est ou c'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre ou c'est les deux. C'est les deux. C'est les deux. C'est les deux, ouais. Oui, c'est les deux, donc tu prends ta monnaie, moi c'est ce que j'ai compris. Ça veut dire que là, moi, cette petite carte-là... On est la livraison, c'est pas où, hein. Bon, si c'est pas... Non, alors attends, tu parles de quoi? Bah... Les médias. En gros, là, c'est tu prends une brique ou une arche. Ah, c'est où? Ça, c'est où? C'est tout de suite. Par contre, après, effectivement, tu vas la retourner, t'auras la... J'aurai en fait, c'est ça que je veux dire. Oui, j'aurai en permanence une arche. Ça. Ok, all right. C'est effectivement, t'as ou sur la livraison immédiate. Eh ben, je vais prendre une petite brique, s'il te plaît. Tu prends une petite brique. Avec un little brick. Maintenant, tu peux retourner ta carte. Ok. Pour voir tes livraisons. Et j'aurai, à chaque tour, j'aurai un pont. Non, tu as deux arches. Ah. Et deux petites briquettes. Regarde au-dessus de ton bonhomme. Ah, d'accord. Ça, c'est, d'accord. Ça, c'est aussi. En fait, t'as toujours un minimum, quoi qu'il arrive. Ok. Très bien. Parfait. Donc, tu peux préparer ton prochain tour. Voilà. Je vais vous laisser jouer. Beau joueur. Christophe. Putain, j'ai rien compris. Là, je peux faire ça, genre ça, comme ça. Exactement. Et ce bazar-là, je peux le foutre ou pas, ça? Non, tu dois finir par une arche. Je sens que ça va se passer. Mais c'est trop bien, regarde, tu mets un petit... Ouais, si tu... On va faire ça. Bah non, j'ai que 3. C'est ça, 1, 2, 3, c'est ça? Là, t'es le vert foncé le plus haut, là. Bah, 1, 2, 3, ouais. Ouais, c'est ça. Parce que je voulais prendre celui-là, en fait, qui était cool. Ouais, ouais. Mais... Il est cool, mais il est cher. Alors que Yanis, il est chaud comme une baraque à feu. Il a déjà joué. Non, mais il a triché. Il va nous fumer. Hein. Il va nous fumer. Ça. Moi, je le sens trop mal. Donc, vu que j'ai... Donc, je fais... Et tu vas prendre le singe, tu vois. Ouais, non, mais tu peux le dire. Tu peux le dire. Voilà. Donc, je fais 1, 2, 3, comme vous. Par contre, je prends le singe, effectivement, vu que j'ai fait... Ah, mais il est parti d'un truc d'or. Oui, je suis parti d'un truc, ou terre, comme ouais, tu veux. Oh là là. Oh, donc moi, j'ai le droit à 3 aussi, et moi, je vais prendre effectivement la carte récurrente. Donc, hop, je peux tout de suite retourner, il n'y a pas de... Donc, on fait 4. Ah oui, dans cette oreille. Eh ben, toi, Dimitri, hein, Ça va bien se passer. Voilà, vous avez senti tout le fun du jeu, maintenant. Voilà. Vous avez senti tout le fun du jeu, voilà. On est parti pour 40 minutes. Voilà. Là, on fait que ça. Non, mais d'habitude, ils me regardent monter du Lego pendant 40 minutes, c'est ça, bon. Voilà. C'est peut-être aussi fun. Pour ceux qui sont en stream, hein, tu vois. Vas-y. Ok, alright. J'ai quoi, moi? Il y a un peu de stratégie. Donc, j'ai deux ponts. J'ai deux ponts et trois briques. Ok. Pourquoi tu rigoles, toi? Je regarde, oui, il a l'air concentré. Oui, c'est ça. T'es concentré. On les prend tout de suite ou... À la fin de ton tour, ouais. Parce que là, ça va être compliqué. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que je fais? J'ai donc à ma disposition. Et ben, c'est ça, tout ça. Ah, donc faut que je prenne ça plus ça. J'ai deux ponts et trois briques. Qu'est-ce que je fais, moi? Ah oui. Si, je vais faire ça parce que moi aussi je veux. Ah, mais non, mais je suis bloqué! Ici, il y a le singe! Oui. Et comment on fait pour jarter le petit singe? Eh ben, faut faire une construction dorée. Une construction dorée te permet de récupérer le singe. Ouais, mais là, moi, si je pars comme j'ai envie de faire. Alors, vas-y. Là, et je fais le pont par-dessus. Eh ben, c'est bon? Ouais, mais il va pas virer le singe. Mais de toute façon, t'as deux arches. Donc, dans tous les cas, tu pourras pas aller jusqu'au singe. Oui. Tu pourras pas le récupérer non plus. Si. Puisque c'est une construction dorée. Juste, il suffit de faire une construction dorée. Ça semble pas clair. C'est pas le plus haut? Non, le plus haut, c'est pour gagner le point bonus. Mmh. Ok, alright. Je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais tenter le move à partir à faire du doré, comme ça. On va voir ce que ça fait, parce que j'y comprends rien. Là, voilà. Donc là, j'ai fait ça. T'as une construction. Est-ce que je peux faire ça? Non, tu dois finir par une arche. Ah, on doit finir par une arche. Donc, on peut pas faire ça. Tu peux mettre celui-là, je crois. Voilà, c'est ça. Tu mets ça. Je mets la déco. Donc, je mets la déco. Oui. Et vu que t'as fait un truc doré, je peux récupérer tu récupères le singe. Je récupère le petit singe, mais par contre, je suis pas le plus haut. Parce que. T'as pas le point bonus, t'as que deux, du coup. Donc, j'ai que deux. D'accord. Et je peux pas utiliser mes autres briques, qui sont là, les trois que j'ai en rab, je peux pas les utiliser. C'est pour le prochain tour. Ok, donc là maintenant il faut que je choisisse Je l'ai dit que c'était ma carte.
S'il te plaît, tu te calmes. Faut que je choisisse ma carte, moi, maintenant. Et j'ai que 2 points, donc autant dire que je suis pas riche. Et je suis parti du doré, donc j'ai accès à celle-ci, mais qui commence tout à 3 points. C'est ça. Mais donc je suis coincé. Ah non, si, je peux prendre les deux. Les 2 et des 1. Les 2 et des 1, bah, je vais prendre une 2. Et la 2, là, j'ai le droit de prendre soit... Deux fois. Enfin, ouais, j'ai soit la possibilité, quoi. Eh ben, mets-moi, s'il te plaît, deux petits ponts. Et après, il y a une défaut. Alors, non, tu la retournes. Tu la mets sur ton plateau, tu la retournes. D'accord, je mets sur mon plateau, je retourne. Okay. Et là, tu prends tes deux briques. Et je prends mes deux briques. Et maintenant, tu prends tes récurrences. Ah, mes récurrences, c'est donc, s'il te plaît, 2 ponts et 2 briques. Là, je me sens riche d'un coup, là. Je me sens riche. Merci. Tofi, ça se passe bien, Tofi. Qu'est-ce que t'as fait, là? J'ai tenté un système. Ça, Tofi, il a fait ça. Je crois que c'est illégal. Tu sais, dans des choses, ça s'appelle illégal dans les constructions. C'est illégal. It's illégal. Non, it's illégal. Si t'as pas le droit de... Non, non, non. Je peux faire non, ça, non, non, ça. C'est si, il a le droit. Bah, il a le droit. Mais il a le droit. Bah oui, mon gars. Mais what the fuck, ouais. Sérieux? Ben oui, j'ai, bah, il a dit Yanis. Mais c'est quoi, mais t'as le droit de faire ça? Ben oui, on a pas le droit. Il part du sol. Oui. On est d'accord, tous ces trucs sont fondés. Et voilà. Ah, puis attends, c'est ça que je veux prendre. C'était pour faire ça. Ah oui, voilà. Oh, mais quel beau gosse! Il a fait une construction de plus de 5 niveaux. Ça fait 1, 2 et 3, puisque t'es la verte foncée la plus haute. Ouais, je vais prendre. Je vais prendre celui-là. Là où je peux récupérer tout de suite ça plus ça. Là, c'est ça, hein. Je vous avoue que c'est pas encore limpide. Et je recharge encore. Je reprends mon tour. Et tu reprends ton tour. Et tu retournes. Pour vous fuyez. Ça là, je la retourne. Ok, ça marche. Bon. T'as fait quoi là, du coup? Bon, je suis parti de là. Donc je monte d'un étage. Et puis, du coup, j'ai le vert le plus haut. Donc ça me permet d'avoir le bonus quand même. D'accord. Ok. Je vais prendre une arche. C'est ce que c'est, les arches qui sont un peu nécessaires. Et quand on retourne, hop. Donc après, 1, 2, 3. À toi, Dimitri. Ouais. Alors, moi, j'ai quoi? J'ai 4 ponts. J'ai 4 ponts. Et j'ai plein de petites briques. J'ai 5 petites briques. Alors, est-ce que je peux faire une Tofi? Oh oui, je peux faire une Tofi, peut-être. Je vais essayer de faire un truc. Je vais essayer de doubler Tofi en partant du doré pour peut-être récupérer. Bah non, j'ai déjà. Donc, tu pars du sol, hein? Ouais, mais ça sert à rien que je récupère le doré, là, parce que... bon, on va voir. Donc, je peux faire ça. Et si je fais ça... Faut se creuser la gueule. Là, si je fais ça... Ça marche. Je peux faire ça comme ça. Oui, vive l'originalité. Eh oh, ça. Et je fais ça. Et brah. Ouais. Ça marche. Méga beau gosse. Non, mais... Méga beau gosse. Ça. Ouais. 1, 2, 3, 4, parce que t'es la brique la plus haute. Ouais. Et en plus, je peux prendre une méga banane. Méga banane. Parce que, du coup, j'ai fait une construction de plus de 5 de gros. Ok, alright. Mathieu Mastre. Ici, là. Alors, oh là là. Oh bah qu'est-ce que tu as bien bloqué. On n'a même pas assez de cul pour arriver. Oh là là. On est mal barré. Oui, attends. Du coup, faut que je choisisse ma carte, là. En vrai. Oui, bah oui. J'ai combien de points, là, tu me disais? 4, c'est ça? T'avais 1, 2, 3 et 4. 4, et je peux donc choisir dans les... je vais choisir dans les trucs dorés. Voilà, je prends cette carte-là. Voilà, une carte qui me donne en récurrence soit une grande barre, soit un petit pont. Au choix. Voilà. Et là, du coup, par contre, il faut maintenant que je... Tu la retournes, ta carte. Ah. Comme ça, tu sais que tu l'as... Là, je la retourne. Je retourne. Et là, tu prends toutes tes... Donc, il te faut 3 arches. 3 ponts, 2 briques et... Des arches. Et 3 arches. 3 arches, 3 briques... Non, 2 briques. 2 briques et une barre. Voilà. Il va tout péter. Je mets celui-là. Il va tout casser. Et donc là, ça veut dire que techniquement, j'ai fait 1, 2, 3, 4. Ouais. Je peux prendre dans les verres comme ça, là. Voilà. Je peux prendre 1. Tu vois, ça doit faire 4, ton total. C'est bon, c'est ça. Ça fait 4. C'est bon, t'as ce que tu veux, t'es content? Ouais, je sais pas trop.
Et donc là, faut tout recharger, Yannis, c'est ça. Mais faut pas retourner, c'est ça. Alors, non, attends, d'abord, tu prends tes éclairs. Ça, ouais, c'est bon. Après, tu retournes tes cartes. En fait, tes cartes, ça te permet de voir ce que t'as le droit. Donc là, je recharge tout le merdier, là, je prends les. Ok. C'est vrai qu'il y a de l'intrigue. De toute façon, il y a pas de l'intrigue. En vrai, on va se faire fumer. Alors moi, je pense que le suspense, vous voyez l'autre, il est en train de bricoler en face, là. Il bricole ses petits trucs. Regardez, la tête baissée, la tête baissée, la casquette en bas. Deux, trois, quatre, il va je pense que non. Ah, à l'étage. Bah si. Et pourquoi, pourquoi tu prends des bananes, je suis arrivé là. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, j'ai fait au moins six étages, je prends des bananes. Putain, ils nous volent nos bananes, là, sérieux. Attends, encore. Ils nous volent nos bananes. Les bananes, ça va, attends, moi, il faut que je mange quand même. Bientôt fini le jeu. C'est la partie la plus courte de l'histoire. Je pense que si tu rushes, une fois que t'es bien rodé, tu peux peut-être rusher le jeu, quoi, en fait. Tu pourrais faire comme aux échecs avec un timer, tu sais, celui qui va plus vite. Ah ouais, ça... alors que Pan Bobo nous fait une magnifique construction, vous ratez tout, là, c'est voilà. 1, 2, 3, 4, et. Et voilà, et 5. Magnifique. De tout cas, si je mets comme ça. Non, c'est trop haut. J'ai une croix comme ça ? Mais ça va aller nulle part. Oui, attends, comme ça. Mais ça va nulle part. Et ça va nulle part, en fait. En fait, vous faites des putains d'immeubles. Mais qu'est-ce que tu fais ? Je commence à construire, on va pas avoir pas y passer la nuit, là, ton jeu, là. C'est pas mon jeu. C'est pas Voilà. On se comprend. Vas-y. Tu fais ton truc, je fais mon truc. Vas-y, fais ton truc, là. Attends, moi, je partirais bien. Je sais pas où il part. Bah non, je sais pas trop, en fait. Alors si, je vais faire ça. Moi, j'aime là. J'aime là. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais alterner les couleurs. Là, c'est la technique du pauvre, ça. J'aime la couleur. Ça. Et je pense que je peux faire ça. Ouais. Là. Tu peux. Bah, c'est pas mal. Attends, non, c'est génial. Bah quoi ? Franchement, non, c'est beau. En fait, vous voyez pas. 1, 2, 3, 4. 4 quoi ? Bah 4 de tu. 4 points. Et. Ah oui, 4 points. Bon. Je peux pas remettre une petite brique en plus ? Toujours pas. Juste une petite brique comme ça. Je peux pas briquer non plus. Putain, c'est pas juste. Attends. T'as fini toi. Je compte. 4. Je compte. 4. 1, 2, 3, 4. Oui. C'est tout. Tu n'es pas la brique la plus haute, donc pas de brique bonus. Ah, mais ça, je suis pas la brique la plus haute, ça c'est sûr. Attends, il est en train d'essayer de tricher. Mais je triche pas. Bon, attends, il faut que je prenne les cartes. J'ai 4 points, j'ai dit. Alors, 4, je prends ça en doré. Donc, j'ai le droit à un truc tout de suite. Mais c'est un éclair, ouais. Eh ben, mets-moi une petite brique, s'il te plaît. Merci. Une petite brique. Ensuite, je retourne. Et ensuite, je prends tout le reste. Alors, s'il te plaît, il me faut deux petites briques. 5 ponts et une barre. Des arches. 5 arches. 5 arches. 5 arches. Et une barre, je pense. C'est voilà. Tu fais quoi depuis là ? Une construction d'extrême. Un constructeur d'extrême. Tu vas pouvoir passer sur la MC découverte. Tiens, mets ça. Et t'as droit. Ah oui, c'est beau. Bah, écoute, on va voir. C'est attention. C'est beau ce qu'il fait. Ah ouais, mais il est en train de plier le game, en fait. Il a compris le jeu, je crois. Ouais, c'est ça. Il a compris le jeu. Là, je mets ce bazar-là, et je dois être un cran. Donc, je vais prendre mes bananes, puisque vous le faites jamais, mais vous pouvez faire baiser. J'ai pas le droit des bananes, bah, c'est trop tard, non. C'est ton tour. Non, 2, 3, 4. J'ai pas le droit de bananes ? Non, c'est 5 de 5. Faire 5 de hauteur ? Donc là, je prends le singe. Et comme Dimitri commence toujours, je vais le mettre là. Parce que c'est pas... Oh, c'est pas gentil! Et là, donc je prends un 5 comme ça, là, je pourrais prendre ça à la rigueur. Hein. Je sais pas, je tente, je construis. Je construis. Est-ce que par exemple, je pourrais faire ça? Je peux faire ça? Je peux faire ça? Est-ce que ça marche si je fais un truc comme. Oula! Donc tu pars du sol. Oui. Voilà. Okay. Faut que tu mettes un petit. Non. Attends, ce que je voulais faire, c'était un truc. Non, ça marche pas trop. La nullitude incarnée. Arrête! J'essaye. Non, ça marche. Alors en fait, tu nous dis que le jeu est adapté aux affoles. Comment ouais, c'est abusé ce que je viens de faire. C'est abusé. Attends, je suis pas bon, donc je recommence.
Genre comme... Là, ça passe pas, non? Je voulais... Comme ça. Ah, c'était peut-être comme ça. Faut que tu parles du seul, toujours. Je regarde même pas. Ah non, mais j'essaye des trucs. Soyez pas méchants. Ça, ça passerait. Faut peut-être faire comme ça. Comme ça. Si je fais comme ça. Comme ça. Oh, putain, j'ai pas pris ma carte, attends. Je fais 5 de plus. Je sais pas si j'ai vraiment le droit de faire ce que je suis en train de faire. Un truc. Et là ça passe là. Ça passe. Oui, ça passe. Là ça passe. Je fais un truc, regardez, je suis en train de faire un truc de. Non. Un truc de l'apocalypse. Comme ça. Comme ça, comme ça. Là, du coup. Ça passe toujours. Ça passe toujours. Encore une arche là. Non, j'ai pas d'arche. Bah, c'est bon. Donc voilà ce que j'ai fait. C'est mon œuvre d'art. Non. Voilà, là j'ai fait ça, je vais mettre ça d'un coup. Sur le. Bon, après, les gars, il met du temps à les monter. Oui, bah, vas-y. Je vais le faire si tu veux. Vas-y. Vas-y, essaye de compter tes points, on va voir si t'as compris. Alors, je pars. 1, 2, 3, 4, 5. Et je pars du vert, et je suis en vert foncé, je suis plus haut du vert foncé. Mais putain, ça s'est fait chier, ça, je n'en compte pas. Ce qui fait 6. 6. Ah, j'ai 6 points. Ouh, putain, 6 points d'un coup. Non, tu peux taper la carte à 6. Et puis, je peux prendre une banane. J'ai fait. Prendre une banane. Je prends une banane, et je peux taper la carte à 6 qui fait 10. 10 bananes, oui. Je suis trop content. Ça se lit sur le regard à Yanis. Je suis très content. Je suis jaloux. Tofi, tu fais quoi là? Tu triches, Tofi? Oui, je triche. Tu triches? Oui. Pendant que Tofi joue les apprentis maîtres constructeurs d'un coup là. C'est une autre stratégie, on va chacun sa petite strat. Bah, au départ, je voulais faire ce que je voulais récupérer le vert foncé, mais je vais faire avec le vert clair, c'est pas vrai. Bam. Donc on a dit. 1, 2, 3, 4, 5. Et je peux récupérer donc 5 verres clairs. Bah, je vais prendre celui-là. Alors là, il faut que tu recouvres une TK par contre. Voilà. Ça veut dire que c'est une ressource que tu auras pu. Ah merde, putain. C'est là, attention, la partie stratégie du jeu là. Alors je vais peut-être faire autrement, je peux faire. La partie stratégie du jeu, donc vas-y, explique. En fait, il va récupérer une carte, mais il n'y a que 5 emplacements. Il n'y a que 4 emplacements. Donc quand il va récupérer sa carte, il va devoir en mettre une par-dessus, une des 4 autres. Donc c'est une ressource qu'il aura pu. Tofi, ouais. Bah je vais prendre ça, ça va me faire un petit cube en plus. Donc tu retournes. Et j'ai pas récupéré mes briques, moi, la fin de mon tour. J'ai pas récupéré mes briques. Bah oui. Faut que je récupère. Et bah dis-nous ce qu'il te faut. Alors, s'il te plaît, il me faut... Je me servir. 5 arches, une barre, 2 briques. 5 arches. Ouais. 5 arches. Oh, peut-être. 5 arches. 2 briques et une barre. 2 briques. Et une barre. Ok. Magnifique. À moi. Alors que Pat Bobo est à son tour et qu'il va nous enfumer. Vous voyez, bon. C'est beau ce que tu fais. Hop. Donc 1, 2, 3, 4, 5. C'est un stream sieste. Et 6. C'est une vidéo sieste. Et c'est le singe. Alors du coup, je peux essayer de vous bloquer. Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais prendre le singe. Il a pris le singe. Hop. Il a pris le singe. Il a pris le singe. Et 6. Voilà. Et qu'est-ce que je vais ne pas prendre? Il va falloir la mettre quand même. C'est joli par contre. Oui, c'est... Ça, c'est un petit côté artistique. C'est un petit côté artistique. Je vais penser à la grenade. Tu vois. C'est à toi, Dimitri. Tu fais penser à quoi, Dimitri? La grenade en Espagne. Ah, ouais, dans l'Espagne. Oui, alors moi, du coup, la géographie, c'est pas mon truc. Non, c'est pas mon truc. Là, ça commence à être beau. Pourtant, il est ça. Hop, je vais faire ça. Je vais assembler comme ça. Là, je vais essayer de faire comme ça. Bon, c'est le dernier tour, hein, vu ce qu'il reste. Comme ça. Oh oui, regarde. Il reste plus beaucoup de temps. Ça s'arrête. On finit le tour. Ah bon, t'es sûr? Là. Et on compte les bananes. Là, je peux faire. Ça, oui. Ça. Attends, m'enfonce pas, j'ai encore de la ressource. Bah, t'es pas obligé de tout faire d'un coup. Bah, si, je veux gagner. C'est ta stratégie. Je veux gagner, moi. Ouais. Est-ce que ça marche comme ça? Oui. Fais... Ah, ouais. Comme ça, oui. Oui. T'aurais pu mettre deux petites off, ouais. Attends, là, c'est bon. Donc là, je vous propose, pour ce tour, cette construction. C'est magnifique. Tu veux lui donner un nom? Non, je suis pas très bon pour nommer les trucs.
Donc là, je suis bien, et du coup, je vais essayer d'assembler mon machin. Pardon, Tofi. Oui, je te plaît. Donc là... C'est bien, avec tes grands-parents, tu peux jouer à ça, c'est calme. Bon, un... un... 2, 3, 4, 5, et je pars du vert foncé. Oui. Donc je suis toujours. Pas le plus haut. Hein? Bah, c'était moi qui ai avant ça. Ouais, bah, oui, bah... ça donc je suis pas le plus haut. Mais ça fait pas 6 quoi. Donc ça fait combien? Je dis 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 points en vert. Bah, je... Et la banane. Je vais prendre ça. Ah oui, j'ai le droit à une banane parce que du coup, c'est de l'art contemporain. Je suis assez d'accord. Voilà, et donc du coup, je veux bien, mais... Attends, faut que je... attends, il me fallait, j'ai pas pris... En direct, déjà. En direct, une barre. Oui, s'il te plaît, merci pour la barre. Pourquoi et t'as un truc sur le côté, là-haut? Je retourne, de quoi? Ça? Oui. Ça doit recouvrir une de tes cartes, non, à un moment, t'as dû... Ah, fiche? Ouais, t'as triché. Bah, je mets ça comme ça. non, je ne triche pas. Ouais. Bah, mon style, je ne triche pas. Alors vas-y, qu'est-ce qu'il te faut? Il me faut... 5 arches, une barre de briques. 5 arches. Ah oui, non, mais. Une barre et 2 briques. Je pense qu'on approche le dernier tour. Ainsi, ainsi. C'est quoi ton vie là? Maintien du bar. Maintien du bar. Tu souffles comme ça. C'est chiant. Tu respires fort, mais non. Mais non. C'est fun, c'est un jeu Lego, forcément c'est fun. Je trouve que t'as une certaine mauvaise foi. La mauvaise foi, vous voyez la mauvaise foi de ces gens, c'est ouf. Hein. C'est ouf. Hein. Moi, depuis tout à l'heure, je mangeaille, là. Ça fait 1h04 que je mangeaille. Sans jeu, il n'y a pas grand-chose. Je mangeaille à mort, là. Je mangeaille vraiment. C'est long. Mais Tofi, je n'ai pas la gueule. Attends. Là, tac, ça. Mais attends, faut que je remette un autre, j'en ai plus. Ah, que je pourrais peut-être mettre un grand. On sait jamais, les autres, ils pourront peut-être nous rendre service. Attends, t'inquiète. Ah merde, c'était déjà un grand, ça. Ok. Non, c'est bon. 5, je pars bien du vert clair. Hein. Ouais. Et là, ça va faire 6 vert clair. Donc là, je prends mes bananes. Là. Celui-là. Ouais, je trouve que tu prends un peu trop de bananes. Et donc là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, on est d'accord. Donc là, je peux aller chercher un 6... C'est qu'on vient de me dire hein, dans l'oreillette que l'inspecteur d'Eric avait de la concurrence. C'est très drôle. C'est pas faux. Bah, je sais pas, t'as dit qu'il fallait pas qu'on dise de conneries, on dit pas de conneries. On se concentre. Non, mais vous faites bien semblant, je vois. Bah, on essaie de jouer, quoi, voilà. Non, mais on aura fait une partie, on pourra pas nous reprocher de pas avoir fait une partie. Voilà, on a fait une partie. Les gens comprendront à peu près le niveau d'ambiance du jeu. Le jeu peut procurer, voilà, à partir de ton... Ouais, bah, tu feras ton avis sur l'achat un temps au moins, est-ce que ça serait plus dangereux? J'en sais rien. Tu te caches, oui. Non, on veut s'ennuyer, hein, 5 ans et demi. Les constructions l'ont pas emballé. Ah, mais il faut encore que je... Tu prends un... Ouais. Vas-y, Tofi. Donc là, il faut que je prenne tout mon champ. Ça, j'ai pris ceux-là. Ok, maintenant tu retournes, mais tu choisis laquelle tu prendras pas. Ouais, c'est le moment stratégique. Donc là, je reprends le tout, là, il m'en faut. Vas-y. Il me faut 4 points, s'il te plaît. Ouais, bah, je vais le faire. 4 points. Je vais prendre comme ça, et il me faut 6 petits cubes. Ah bon, bah, t'as fini la partie. Y'a plus de briques, là. 1, 2. Y'a plus de briques dans le truc, là. Attends. Donc là, on finit la manche, en gros, je joue, et sa partie s'arrête. Et moi, je peux pas jouer? Non. Bah, t'es toi le premier joueur. Donc, je rejoue pas? C'est toi le premier joueur. Mais j'ai plein de briques. Il reste des petits cubes. Attends. Non, il reste des petits cubes. C'est pas fini. Non. C'est pas fini. Ah non, mais attendez, moi je... Ah bah, ça aurait été vraiment dommage. Moi, je pars pas. Non, on peut faire une revanche. Ça aurait été vraiment dommage. Non, on va peut-être pas faire la revanche, par contre. Voilà. Après, tu... Oh, c'est beau ce que tu fais, là. Le World Trade Center, là. Regardez, il est en train de nous faire... Il est en train de nous faire, comment ça s'appelle, le Burj Khalifa. Magnifique ce qu'il est en train de nous faire. C'est un peu trop. Il n'y a pas d'erreur de montage pour l'instant, a priori, on est pas loin de la fin. C'est beau ce que tu fais. C'est bon, là, je crois que tu as le droit de prendre une 4 bananes. 1, 2, 3 et 4. 4 points de bonus. Ok. Super. Ça marche. Attends, je vais essayer de faire un truc de... Je vais essayer de faire un truc. Il faut 4. Je prépare mon tour. Je mets tous les escaliers. Ah. Je mets tous les escaliers
à la queue. Attends. Si je peux faire. Ça passe. Ah, faut que tu mettes trois petits à mettre, mais ça passe. Ah putain, Roger. Oh putain, bah j'ai fini, mais voilà, c'est la fin là. Hop. Là c'est la fin, hein. Y a plus rien à ramasser. Ouais, ouais. Je vais faire ça. Donc, une brique ici. C'est juste pour l'art, hein. C'est pour l'art. Pour la beauté du geste. Mais là, quand c'est trop, c'est galère. Putain, puis là, j'ai pas de démarrage. Je vais faire comme ça, là. Tac. Oui, ça passe. Moi, j'y vais comme ça. Vas-y. Ah, deux filles, attends. Putain, c'est mon tour. Non, mais regarde. C'est mon tour. J'y veux pas toucher. Arrêtez, c'est mon tour. C'est mon tour. C'est mon tour. Et je peux mettre comme ça, là. Non, on va voir. Oui, si. C'est bon, il me manque une arche. Bah, t'as pas l'arche, c'est pas l'arche. Bon, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. 5. Et je mets un doré parce que je suis parti du doré. Ah, donc du coup, t'as le droit au singe. Ah, merci, j'ai le droit au singe. J'ai le droit au singe. Tu voulais. T'as ton fils. Tofi, tu voulais partir où? Tu voulais partir où, Tofi? 1, 2, 3. Où est-ce que tu voulais partir? Là. Non, pas là. Là. Là, comme ça? Ouais, impeccable. Bon, le petit singe ici. non, je te mets ici. Oui. Oui, si tu veux. Ah là, c'est plus chiant. non, c'est bon. du coup, il faut juste que je récupère. Attends, faut que je récupère mes trucs là. Combien de points j'ai dit? 5? 5. Ok, 5. Je mets ça ici. Je veux bien une petite brique. Ok. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, malheureusement, on arrive. Là, c'est la dernière manche. On arrive au fond du sac de vrac. Donc, autant dire qu'on arrive. Le sac de vrac est vide. Vous pouvez admirer, la belle qualité. Oh, il est classe. Je suis pas un peu fier. Qu'est-ce que t'as fait? Je suis pas un peu fier, bah regarde, je suis parti d'ici, j'ai fait celui-là, tac. Et tu vas nous faire Burj Khalifa bis. Mais en mieux. En mieux? Putain, cet architecte. Regarde ça. Et là, je peux encore remettre un petit verre comme ça. Ah non, c'est un gros verre comme ça. Bref, on s'en fout. Là, donc là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 again. Oh, c'est beau. Bon, je reprends encore des bananes. C'est beau. Et 6, je vais aller chercher. Ah, et là, du coup, on va en définito ou pas? Oui. C'est bien. On a fini. Merci d'avoir été plus optimiste que moi. Tu nous as bien vendu le jeu. C'est pas si pire. Enfin, c'est vrai que comme t'es parti un peu de la tête. Ouais, tu nous as quand même pas survendu le truc, là, en vrai. Les cubes, ça va rapporter. Ouais, ça rapporte rien. Donc là, on fait quoi? C'est finito parce qu'il y a... Contre les bananes. Bah, je pense. Enfin, attends Yannis. En gros, c'est ça. On attend que Yannis termine sa manche quand même. Ouais, merci. C'est mal barré. What? Bah non, regarde, il est parti. Qu'est-ce qu'il fait, là? Il veut me carotte le singe? Je tombe des trucs. Il veut me carotte le singe. Dans la dernière ligne droite, on comprend que le singe, il vaut 2 bananes. Donc le dernier qui chope le singe, hop, il a 2 bananes. Donc effectivement, ça vaut le coup de pécho le singe. Et Yannis, il essaye de truander, vous voyez à quel point il est concentré, pour récupérer le manque. Parce que, encore une fois, il est parti. C'est où ton point de départ? Parce que il part du doré. Il part du doré, il part du marron clair. Et après. Il veut te banane le singe. Exactement ça. Exactement. Et je vais monter à 5 en même temps, c'est ça qui est dur. Donc, il veut monter à 5 de haut tout en carotte le singe pour récupérer des bananes. C'est beau. C'est beau, hein. Magnifique. Vas-y, ouais, tu repasses là. Ah ? Oui. Mais j'ai pris ma carte banane. I took my carte banane. Casse pas tout ! Après, tu me dis, moi, casse tout, mais... Et t'as combien de briques, là? J'en ai beaucoup. Non, je peux pas mettre celui-là. Eh ben, c'est fini. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Et je suis pas le plus haut. Et t'es pas le plus haut, donc tu récupères pas les bananes. Si, parce que... C'est dès que tu mets du doré, en fait. Dès que tu prends le doré, Dès que tu prends le doré. Tu récupères le singe à chaque fois qu'il y a quelqu'un. Ça. Et donc j'ai dit 6, c'est ça? 1, 2, 3,
4, 5, 6. Donc, ouais, je vais prendre la dernière. Celle-ci, là ? Oui, oui. Il prend il a tout joué et dans les derniers instants du jeu, il est stratégique parce qu'il a essayé de faire 6 points. Fin de partie. Compter les points. On va compter, du coup, les bananes. Alors, du coup, comptons les bananes. Je suis pas riche. Hein. Donc, 4 et 4, 8, 12, 15, 12, 22, 28. Non, je sens, sans vous spoiler, je pense que c'est le monsieur là, lui qui va gagner, je pense. Je pense et j'en suis convaincu. J'ai 56. Quoi ? Écoute, non. T'es sérieux ? J'ai 50. Et j'ai fait 28 ? Mais vous sortez d'où ? T'es combien ? Tofi là ? Tu vas voir ? Mais j'ai fait une conjonction. Attends. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Ouais, 34. 35. Ouais, mais t'as pas tout, tu comptes pas toutes tes cartes. Bah si, il y a 7 morts. Vous comptez toutes tes cartes. T'as des bananes. Mon Dieu. D'accord. Je pensais qu'il fallait compter que celles qui étaient sur le dessus. Ah bah, il dit que ça allait être dur, en fait, on est pas que sur ce point-là. ça va. Putain, la médisance, quoi. Donc je recompte mes points. 3, bon, voilà. 5. Voilà. 5, 7, 10, 20, 24, 30, 34, 38. Je suis quand même bon dernier. C'est joli, ça. Oui, attends, on va montrer après. Donc, moi, 38, ou un truc comme ça. 50 quelque chose. T'as fait combien, toi, Dago ? 50. Donc, c'est toi qui gagne ? Non, c'est Christophe. C'est toi qui gagne ? Oh. Ouais, j'aurais pas misé dessus. Hein. Alors, le bilan, tu veux faire un bilan ? On va faire un bilan, mais d'abord, on vous montre quand même le bilan du plateau de jeu. L'œuvre, notre œuvre, à l'issue de 1h16, on a je sais pas combien de temps on a joué. C'est pas dégueu, ça. Ouais, ça. Oula, j'ai fait. Tu veux jouer à ça avec ta fille ? Alors, avec ma fille, pas du tout. Elle casserait tout. Hein. Elle a pas plus de 10 ans. Elle serait barrée au bout de. En termes d'interactivité, de. Bon. Toi, le singe qui bloque est très faiblement. C'est rare. Hein. D'accord. Donc, il est l'heure de faire le bilan de cette partie qui. On n'a pas lancé le chrono. À partir de combien de temps on a lancé la partie ? C'était l'autre. Ouais, je pense qu'on a mis quoi, 30 minutes, 30-40 minutes pour la partie. Oui, je pense que ça fait rapide, on est entre adultes, donc forcément, je pense que le temps est court, t'as vite compris les tenants et les aboutissants. On est donc dans le timing annoncé par Asmodée et Lego pour la réalisation de cette œuvre d'art magnifique. On a pris de la hauteur. Bon, on va pas se mentir, le truc final est pas mal. C'est joli. Oui. C'est joli. Maintenant, moi, je vais être clair avec vous, c'est pas le jeu de plateau qui m'a le plus enjaillé que j'ai eu fait. C'est clair. Enfin, oui, non, c'est, je trouve que les mécaniques, même pour des enfants, enfin, il y a beaucoup mieux, beaucoup. Enfin, c'est compliqué de se placer dans un parent qui veut acheter ça pour jouer avec ses enfants. Même si t'aimes le Lego, je pense qu'il y a mieux à faire. Enfin, il y a. Voilà. En termes de création, en termes de contenu, en termes d'action possible, oui, c'est très léger, quoi. Ça reste vraiment. Et toi, Tophie, qu'est-ce que t'en as pensé ? Parce qu'on s'est quand même fait quelques jeux. Pour le coup, bon, on n'a pas l'impression d'être coincé dans la porte toute la journée, mais si tu me dis on en refait une, je viens pas, quoi. Clairement. Moi, j'en ai fait une hier et je suis venu. Je reviens pas. Et comme on dit, avec des amis pareils, on n'a pas besoin d'ennemis. Non, mais ouais, c'est juste dommage, je pense, de. Je pense que Lego, Asmodée, c'est des gens qui ont des moyens et de. Je pense qu'il y avait mieux à faire, quoi. Surtout quand tu vois ce qui se fait, le jeu de société, c'est devenu de plus en plus quelque chose qu'on trouve sur le monde. C'est une industrie, il y a de la concurrence, et là, j'ai peur qu'ils aient péché peut-être par simplicité. Je pense que ça va finir comme les autres jeux Lego, à savoir, ils vont finir au fond du placard, et puis tu les ressors pas, quoi. Ouais, disons qu'on est assez loin, d'un Seven Wonder ou d'autres jeux que tu joues assez régulièrement, qui ont une rejouabilité importante. Alors, je pense, honnêtement parlant, il y a de la rejouabilité, c'est pas le souci. Mais disons que les mécaniques du jeu sont suffisamment simples pour pas offrir une variabilité dans l'enjeu de partie. Même pour les enfants, enfin, je veux dire, même pour les enfants, bon, tu construis, mais bon, la construction, je pense que ça va là, c'est valable qu'une fois, quoi. Enfin, après, au bout d'un moment, tu vas.
Ouais. Tu vas vite t'ennuyer autour de ça. Puis disons que très honnêtement, les possibilités offertes en termes de construction sont certes prennent de la hauteur, c'est sympa, mais on a 4 types de pièces si on prend les plantes, 5 avec le singe, ça va pas péter loin. Voilà, du coup, pour ce qui est de la vidéo YouTube, merci beaucoup d'avoir, peut-être, je l'espère, pris une heure ou qu'est-ce de votre temps pour regarder cette partie. Je pense que la partie est à l'image du jeu. Si vous êtes potentiellement fait chier, c'est pas de notre faute, c'est de la faute du jeu. Je sais pas. Non, parce que t'es quand même vite, un gars drôle. Ouais, mais non, mais là, c'est pas qu'on insulte les gens qui sont sur stream après. Après, une fois qu'on a clôturé sur YouTube, on insulte sur Twitch. Parfait, après, mais chaque chose en son temps. C'est cool. Voilà. Merci Christophe d'avoir participé à cette vidéo. Merci à Pat Bobo de l'avoir fait, le maître du jeu, de nous avoir expliqué les règles et d'y avoir sacrifié ta soirée. Ah ouais. On vous retrouvera. Je pense pas pour la prochaine partie. Habituellement, je vais inviter d'autres gens. En attendant, si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à laisser les commentaires sur ce que vous avez pensé. De cette partie. Ouais, mais en fait, j'invite que les gens ne viennent pas, c'est ça? Ouais, j'invite des créateurs. Le mercredi soir, c'est vrai. Merci beaucoup. Laissez votre avis en commentaire de la vidéo. Ciao, ciao.